Bien, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous présenter ce prochain numéro. Restez à l'écoute, Macha, et particulièrement toi, Raymond, parce que je sais que tu es un grand amateur d'opéra. Puis ça nous fait plaisir de pouvoir vous présenter un grand talent de chez nous. En fin de compte, c'est un baryton de renom international. Ce soir, il est accompagné par son épouse au piano, Christina Petrovska. Il nous offre un extrait de Carmen, l'air de Toréador, Monsieur Louis Quilico, que voici. Je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre. Pour plaisir, ils ont les combats. Le cirque est plein, ces jours de fête. Le cirque est plein du haut en bas. Les spectateurs perdent la tête. Les spectateurs s'interpellent à grand fracas. Apostrophe, crisez tapage, poussez jusque à la fureur. Car c'est la fête du courage, c'est la fête des gens de cœur. Allons, à garde, allons, allons, Toréador en garde, Toréador, Toréador. Et songe bien, oui, songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend. On fait silence, ah que se passe-t-il? Plus que cristallisant, plus de cristallisant, le taureau s'élance en bondissant, auditorie, il s'élance, il anti-frappe, un cheval roule, entraînant son picador. Après mon taureau, hurle la foule, le taureau va, il vient, et frappe encore. C'est quoi ces banderilles? Mais le fureur est pour, le cirque est plein de sang. On se sauve en franchit les grilles, c'est ton tour maintenant. Allons, en garde, allons, allons. Songe en combattant, qu'un œil noir te regarde et que l'amour t'attend, Toréador, l'amour, l'amour t'attend, Toréador, Toréador, l'amour t'attend. Monsieur Louis Quilico, bravo et merci beaucoup. Welcome. I want to speak to you briefly about working with your husband. How hard is that? Not hard at all. C'est beaucoup de fun. Beaucoup de fun. Alors, c'est pas difficile et pas compliqué de travailler avec son époux. Is it easy for you? C'est facile pour vous de travailler avec votre époux? C'est très facile parce que c'est la femme que j'adore. Ça, c'est la plus belle chose qu'on... Oh, ça fait du bien d'entendre ça. Je dois dire quelque chose. Oui, Monsieur Quilico. Si dans le Québec, on ne connaît pas encore l'épouse de Louis Quilico... Voilà l'épouse de Louis Quilico. C'est avec grande fierté que vous faites. C'est avec grande fierté que vous chantez. Parce que pour nous, ce n'est pas juste de vous écouter, mais c'est de vous voir sur la scène. Vous possédez une présence incomparable. Le théâtre, pour vous, j'imagine, doit être très, très important, pas juste la chanson. C'est la plus belle chose qui a pu m'arriver dans la vie. Ce qui est arrivé, c'est que, pour moi, c'est un songe. Mm-hmm. Je suis dans le songe encore actuellement.
Oui, absolument. Ah, oui. Absolument. Vous savez, je pourrais mourir maintenant, là, et je ne pourrais pas demander à Dieu de me donner plus que ça. À part une chose. OK, ouais. Ça serait quoi, ça? Il m'a donné une jolie femme. Oh, ben vous êtes comblé à ce niveau-là. Monsieur Quilico, une dernière question, parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, l'opéra est devenu encore plus populaire. C'est sûr qu'il y a les fidèles qui vont toujours voir et écouter l'opéra, mais je pense aussi qu'il y a un mouvement qui les jeunes sont en train de découvrir. Que pensez-vous de Pavarotti qui chante avec des formations comme U2? Que pensez-vous de ce genre de choses? Moi, je vais vous dire quelque chose. Je crois que Pavarotti, les trois ténors, mettons les trois ténors, je crois qu'ils ont donné à la portée de la main aux jeunes qui ne connaissent pas réellement le grand classique, et de pouvoir, ah tiens, c'est quelque chose, et c'est abordable, vous comprenez? Absolument. Parce qu'il y a un temps, on disait toujours, ah ben, c'est pour les élites, pas plus que ça. Absolument. Mais maintenant, c'est très changé, ça. On est ravis de vous avoir ici. We are really thrilled and honored to have you. Il y a un album qui sortira au mois de février, Two of a Kind, qui sera disponible, mettant en vedette ces deux très belles et talentueuses personnes, évidemment, Christina Petrovska, M. Louis Quilico. Un gros merci d'avoir été des nôtres. Merci beaucoup. Restez avec nous, on est de retour après cette courte pause. Ne bougez pas. Un des barytons dans le monde entier. Il a joué sur les scènes les plus prestigieuses, également à travers le monde entier. Avec une pièce qui porte le titre Le Rigoletto de Verdi, ça nous fait plaisir de pouvoir vous le présenter, M. Louis Quilico. Ritate, ritate.
tutto, tutto il mondo, dal figlio per me. Signori, perdono, perdono, pietà. Ce soir, Monsieur Louis Quilico, qui est parmi nous, et on est très content de le recevoir. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Vous allez bien? Ça me fait plaisir parce que je vous dis quelque chose. Oui. C'est pas toujours donné de pouvoir se mettre près des gens comme ça. Oui. Comme Est-ce que vous aimez ce feeling? Ah, j'aime beaucoup ça. Vous savez. Ça vous donne de l'énergie. La seule chose que j'aime pas beaucoup, c'est votre chaleur aussi. Il fait chaud, hein? Il fait très chaud ici. C'est pas vrai? Il fait pas chaud? Oui, il fait chaud. Mais peut-être c'est vous qui êtes hot, tout simplement, Monsieur Quilico. C'est vous qui êtes hot. Monsieur Quilico, il faut dire aussi que quand on est un chanteur d'opéra, la chose qui m'intéresse et que je regarde avec passion, oui, c'est qu'il faut être comédien aussi. On ne peut pas juste être chanteur. Bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a plusieurs années, le chanteur n'était pas comédien. Vous savez, dans le temps de Caruso, tout ça, on levait la main et tout le monde... bravo, bravo, vous savez, c'était ça. Mais aujourd'hui, le chanteur est très averti. Hein? Oui. Parce que ça veut dire qu'il a pris, Hollywood a fait beaucoup, oui, ce point de vue-là. Oui. Et le chanteur a vu les films et tout ça, et c'est automatique que le chanteur a fait cette évolution, vous savez. Quand vous avez commencé, est-ce que c'était facile de faire ce métier? Parce qu'il me semble qu'on n'entend pas beaucoup parler où aller prendre des cours ou avec qui étudier. Comment vous avez commencé, M. Quilico? Je vais vous dire quelque chose. La chose qui est la plus importante chez le chanteur, oui, c'est de pouvoir connaître son instrument. Et c'est ça que je trouve qui est déplorable chez le chanteur. Il ne connaît pas son instrument. Non. Et c'est ça qui est très difficile de faire comprendre au chanteur. La première des choses, ce qui arrive, c'est que le chanteur attend toujours... que le professeur l'amène, oui, lui dise comment faire et tout, oui, ça. Et c'est ça, c'est faux. Parce que vous, mais vous avez un don naturel. Vous avez commencé à chanter quand vous étiez très, très jeune. C'était quand même quelque chose de naturel chez vous. Écoutez, quand j'étais jeune, moi, j'avais la deuxième journée dans l'école, c'est là que j'ai commencé à chanter. Vraiment? Ah oui, parce que là, il est arrivé un professeur qui voulait monter une chorale et je suis rentré dans la chorale. Après ça, je travaillais dans le temps avec mon père. Oui. Et c'était très, très comique parce que je conduisais le camion. Oui, et vous chantez? Je chantais, mais oui, les gens, ils appelaient mon père, ils disaient: ah, tu sais, Quilico, on a entendu ton fils passer. Il ne m'avait pas vu passer, il m'avait entendu pour chanter. Et la relève, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la relève au niveau opéra? Je vais vous dire, par moment, il y a de très bons éléments. Oui. Mais je trouve que l'enseignement n'est pas exactement comment il devrait le faire. Non. Et en plus de ça, je trouve que la direction pour les jeunes chanteurs, ce n'est pas tout à fait juste. Et c'est ça qui est déplorable. Vous savez, j'enseignais... Est-ce que c'est un manque d'instructeurs, c'est ça? Non, il manque de gens qui connaissent bien le métier. Oui, qui connaissent bien. Parce que vous savez, c'est une chose, c'est un métier qu'il faut apprendre. Oui. Et vous ne pouvez pas improviser, c'est juste. Non, merci, il faut apprendre. Oui, Lara, oui, il ne faut pas, il faut... Regardez, là, on voudrait présenter quelqu'un qui est très spécial dans votre vie, qui d'ailleurs a partagé la scène avec vous ce soir. Oui. C'est que Christina Petrovska Quilico, la nouvelle épouse de M. Quilico. Bonsoir. Bonsoir. Une belle femme. Regardez, M.
Monsieur Quilico qui applaudit, lui. Vous êtes content. Bien, je dois dire quelque chose. C'est, vous savez, c'est une personne qui m'a fait redécouvrir la vie. Oui. Parce que ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, je me sentais très délaissé et je me sentais même que j'étais presque au moment de prendre la retraite. Oui. Et de laisser tomber, ça venait de tomber. Et j'ai connu cette femme qui m'a fait comprendre qu'on pouvait continuer. C'est pour ça que je continue. Puis elle a sorti un livre magnifique, un magnifique Opera Illustrated, An Artistic Odyssey. Et là-dedans, vous retrouvez également. C'est là où vous vous êtes rencontrés, je pense, avec la sortie de ce livre. C'est-à-dire, ce qui est arrivé, la première des choses qu'elle a connues, elle a connu mon petit-fils, oui, qui était allé à l'université où est-ce qu'elle enseigne, pour étudier la musique. Là, je vais montrer ça parce que ça, c'est Louis Quilico dans le rôle et ça, de Falstaff. C'est madame. Que c'est magnifique. Ah, c'est très joli. C'est vraiment magnifique. Puis ce soir, M. Quilico, vous êtes porte-parole également d'un événement assez particulier. Et j'imagine que pour vous, vous êtes ravi parce que c'est un événement qui met en valeur la voix. Oui, c'est justement, mais je dois dire, en plus de ça, c'est justement le remaniement un peu ce que vous avez ce soir ici. Oui. C'est que ça ramène de tous les publics. Ce n'est pas un public, oui, c'est tous les publics. Est-ce que vous aimez autre sorte de musique à part l'opéra? On s'imagine qu'un chanteur d'opéra n'écoute que de l'opéra. Non. Qu'est-ce que vous écoutez à part l'opéra? La seule chose que j'aime pas, c'est le... Comment est-ce qu'ils appellent? Le heavy metal? Heavy metal! Moi non plus! C'est terrible, non, vous savez? Ça non, hein, monsieur. Non, je dois dire... Mais les ballades, les belles ballades, ah, ce non, genre de oui, musique... Écoutez, le... Moi, je suis né là-dedans, vous savez. Oui, absolument. Moi, je me rappelle toujours, quand j'étais jeune, mon chanteur favori, quand c'était j'étais qui? au début de ma carrière, pas au début de ma carrière, mais au début quand je chantais, c'était Tino Rossi. Oui! Marinella! Je m'en rappelle mais plus. Regardez, M. Quilico, on va dire à tout le monde que même vous êtes porte-parole de la quinzaine de Montréal. C'est il y a ça. Plusieurs spectacles, dont un, évidemment, que vous allez... vous le faites premier. Le spectacle d'ouverture c'est à la ça. Place des Arts, le c'est 22. Ça. On a un numéro de téléphone pour les personnes qui sont intéressées. On va le mettre à l'écran, mesdames et messieurs. Je pense. Est-ce qu'il est là? Oui, voilà. Ah, non! Oui, il est là, mais pas dans le mien. Bon, quinzaine de Montréal, le 514-845-3949 pour plus d'informations. Toutes sortes de musiques en vedette. Toutes sortes de musique. Je pense qu'il y a plus de 400 artistes qui sont invités c'est à y ça. Participer. C'est ça. On est ravis de vous avoir parmi nous. Revenez quand vous voulez. Ça nous merci. Fait vraiment plaisir de nous avoir. Merci monsieur beaucoup. Louis Quilico, mesdames et messieurs, avec nous ce soir. Merci, monsieur Quilico. Merci.